vous a donné l'envie de réorganiser en fait une course aussi prestigieuse? C'est un petit peu la passion de ces vieilles voitures et la passion de la compétition. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait. Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai trouvé un très joli hobby. Et vous avez eu beaucoup de demandes de la part des concurrents ou de différentes personnes qui sont passionnées aussi dans l'automobile? Oui, au niveau des concurrents, on a beaucoup de demandes. Maintenant, on fait une sélection, comme le plateau d'aujourd'hui, il est très varié. Il y a des voitures normales, des voitures de prestige, il y a les sidecars, il y a les motos, il y a même un kart, et ça impressionne le public en tout cas. C'est la diversité du plateau. En fait, de remettre cette course au goût du jour. Oui, certainement, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés dans les old-timers. Et comme c'est une très belle course de côte, parce que pour moi c'est la meilleure ici en Belgique, elle est bien, il y a plein de virages, et c'est vraiment une bonne initiative. Moi, la dernière fois que j'ai roulé ici à Trois-Marais, c'était en 67. J'ai eu l'occasion en 66 d'avoir une voiture, d'abord une Giulia Super d'Alfa Romeo, l'importateur. Et puis en 67, du fait de mes résultats, j'ai eu des voitures, une GTA. Et puis après, j'ai bougé, j'ai eu un contrat avec Ford en 68. Donc c'est l'évolution et de faire des résultats et de gagner des courses. Palmarès, au niveau course, quel est votre meilleur souvenir en fait? Pour moi, c'était le championnat en 1969. C'est là que j'ai gagné le championnat, être champion en tourisme, et j'ai battu tous les hommes. Et c'était une année fantastique, j'ai gagné beaucoup et c'était vraiment très, très agréable. Ça fait longtemps que vous participez à ce style de course? Une dizaine d'années. Est-ce que vous connaissiez cette course de renommée? De renommée, oui, mais je n'y ai malheureusement pas participé auparavant. Et donc vous êtes en possession de cette voiture. Qu'est-ce que c'est comme modèle en fait? Une Austin Mini Clubman. En fait, j'ai eu l'occasion de l'acheter. J'ai toujours été amoureux des anciennes Mini. Et dès que j'ai eu l'occasion de trouver cette voiture qui était à la base une voiture de course, à restaurer, je me suis lancé dans l'aventure. Qu'est-ce qu'il y a comme astuce en fait pour pouvoir participer à ce style de course? De la débrouillardise, de l'envie et l'amour de l'automobile. Vous êtes vous-même mécanicien? De formation pas du tout, mais par la force des choses, j'ai dû apprendre. Et est-ce que vous avez repéré le circuit? Oui, oui, j'ai déjà repéré, j'ai pu regarder quelques caméras embarquées d'éditions précédentes et c'est magnifique comme tracé. Vous pensez faire un bon chrono aujourd'hui? Juste pour l'amusement, si c'est le chrono est bon, tant mieux, si pas, ben c'est pas grave.
C'est un grand plaisir de venir ici dans ces Ardennes. C'est extraordinaire parce que c'est une piste fabuleuse. La montée, elle est magnifique. C'est très difficile, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut le faire, vraiment. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait, de remettre cette voiture en état? C'est une voiture qui a fait Le Mans en 67 et 68. Moi, j'aime beaucoup la forme de la voiture. Elle est efficace aussi. Elle a une bonne tenue de route, un bon cap. J'ai beaucoup de plaisir à la piloter, en tout cas. Et est-ce compliqué de remettre en état une voiture pareille? C'est ma profession, donc non, c'est pas compliqué. Celle-ci, j'ai eu la chance de l'avoir pratiquement complète, donc c'est une facilité incroyable. Celle-ci, je l'emploie pour des courses prototypes, mais j'emploie moins souvent, parce que quand on est dans le championnat, on fait le championnat. Est-ce que vous avez repéré le tracé? Est-ce que vous pensez que vous allez faire un bon chrono demain? Non, je pense pas. Moi, je viens pour le plaisir de conduire. Je n'essaye pas de faire un temps. En plus, j'ai pas envie d'abîmer la voiture, donc juste vraiment me faire plaisir, c'est tout. Par rapport à l'époque, est-ce que vous trouvez que la mentalité a changé ou est-ce que niveau organisation, est-ce que c'est de plus en plus difficile à planifier? La mentalité des concurrents, elle est la même parce qu'on voit, ils sont comme des enfants ici. La grande chance que j'ai, c'est d'être d'abord dans cette région où tout le monde se connaît, les gens sont motivés quand il y a un projet. J'ai énormément d'aide des bénévoles, les bénévoles sont exceptionnels. Ils s'amusent et c'est ça qui est important. Ce sont des concurrents qui veulent se faire du plaisir, ils ne viennent pas ici pour gagner. Par contre, demain, ça sera quelque chose de plus chaud. Qu'est-ce que vous espérez en fait pour ce week-end, simplement? Ce week-end, le soleil. Voilà, parce que ça, c'est vraiment la clé de la réussite d'une organisation. Dites-moi, depuis quand participez-vous à ce type de compétition? Oh, moi, ça fait 20 ans. Et quel type de voiture s'agit-il? C'est une Formule 3000, une Reynard Formule 3000. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à remettre en état une voiture pareille? Oh, c'était d'avoir le type de voiture les plus performantes en côte. J'ai fait un peu toutes les catégories, passer de la Rallye 2 au tout début, ou toutes les monoplaces de 1300 jusqu'à la F3 et puis maintenant la 3000. Est-ce que vous connaissiez cette course auparavant? Moi, j'étais venu avec la Rallye 2 dans les années 80, alors donc j'ai fait partie un peu des anciens de la côte. Vous pensez que vous allez faire un bon chrono? Aucune idée. Aucune idée. On vous dira ça ce soir. Ben, bonne chance. Qu'est-ce que vous pensez de la course? Très très bien, j'adore, j'aime bien les sports automobiles, j'habite le village, donc je profite de la journée pour venir voir les voitures de course. Moi, j'ai assisté ici comme jeune habitant du village jusqu'à l'âge de 12 ans, donc en 1977. Puis ça s'est arrêté jusqu'à 2 ans, ça a recommencé, j'en suis enchanté. Et vous vous en rappelez quand vous aviez 12 ans? Oui, tout à fait, on allait à l'arrivée prendre des autographes des coureurs, on allait voir les voitures. Et depuis lors, vous trouvez que ça a changé? Les voitures sont pas trop changeantes, il y a des monoplaces, des Simca, des NSU, ça va un peu plus vite j'ai l'impression, mais c'est le même genre. Et vous trouvez que pour Malmedy c'est bien ce genre de course? Oui, tout à fait, le parcours est magnifique, entre la fameuse côte des Tromarais est magnifique, et pour la ville de Malmedy c'est excellent, pour le tourisme par exemple. Go Fast TV! Est-ce que vous êtes content de votre course?
Oui, je suis content de la course, oui, c'est bien. C'est un super tracé que je n'ai plus fait depuis 1977, donc je la redécouvre avec une autre voiture après vraiment beaucoup d'années après. Et de quel type de voiture s'agit-il en fait ? C'est un PRM Funbo, c'est un châssis tubulaire avec un moteur de moto, c'est fabriqué à Magny-Cours. Est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces justement pour se permettre de pouvoir rouler dans une aussi belle voiture ? Non, ça reste accessible. Ici, on est en national, donc on a des voitures un peu plus, un peu plus onéreuses, un peu plus évoluées, etc. Ici, c'est une belle organisation. Et je vais dire, on a quand même beaucoup de petits clubs, petits organisateurs qui ont quand même un peu difficile d'organiser ça, je vais dire déjà un peu à cette échelle, quoi. Ou comme les Luxembourgeois ou les Allemands le font. Mais on a des petits clubs vraiment très courageux, avec peu de moyens, qui nous remettent des belles côtes sur route-là. Et justement, par rapport à votre chrono d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai vu le chrono du matin, il devrait être un peu meilleur le deuxième, je pense, mais on va voir. On a fait quelques petites erreurs là en dessous, mais ça va très vite. Il est long et quand même compliqué à retenir pour dire d'aller vite. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du tracé ici ? Très joli, c'est la première fois que je viens. Vraiment, la course est, le tracé est long, intéressant, le revêtement est bon. Des courses comme ça, on en voudrait tous les week-ends. Je pense que je parle au nom de tout le monde. Et vous roulez dans quel type de voiture en fait ? Alors, c'est une Mini Cooper S qui date de 1965. Donc, je cours en catégorie VHC, véhicule historique de compétition. Donc, c'est des voitures qui respectent les fiches d'homologation pour la compétition de l'époque. Quand je l'ai récupérée, elle était plus ou moins de série. Et quand j'ai commencé à gagner un petit peu ma vie, j'ai investi, toujours avec l'aide, faut le dire quand même, de mon père qui court lui aussi. Et voilà, pour arriver à une voiture qui est belle et qui marche un peu quand même. Et vous, en tant que femme, c'est pas trop compliqué justement de se frayer une petite place dans ce milieu principalement masculin ? Je me suis jamais trop posé la question. Comme j'ai une petite voiture et que je peux pas encore les battre, ils sont tous très gentils avec moi.